Tu es parti. Parti en emportant l'essentiel de mon existence. Que vais-je faire? Que vais-je faire maintenant? Toutes mes journées qui n'ont plus d'importance. Je n'ai plus rien que seulement une présence dans l'absence. Tu es parti, parti, parti en emportant l'essentiel de mon existence. Il y aura toujours. Tu es parti, parti en me laissant bien plus qu'une immense blessure. Que vais-je faire? Que vais-je faire maintenant? De toutes ces journées si dures. Mais tu me pousses. Tu me pousses, je le sens, à inventer ma vie future, oh, pour aller encore, encore de l'avant. Je ferai de mon mieux, tu sais, je te l'assure. Dans nos rendez-vous, là-bas sur l'autre rive, en gardant jusqu'au bout notre lampe allumée. Marie-vous saurait lui dire nos mains vides et nos cœurs. Lorsque nous vivons le pire ou le meilleur, certains jours, dites-lui, Marie, car il saura vous entendre, vous, Marie. Il saura vous comprendre, vous, Marie. Marie, vous saurez lui dire, lorsqu'à certains carrefours, nous avons choisi le pire, utopique, aveugle et sourd. Dites-lui, oh, dites-lui. Marie, dites-lui, car il saura vous entendre,
vous, Marie. Marie, Marie, vous saurez lui dire nos projets de chaque jour, nos désirs et nos délires. Nous comptons sur son amour. Dites-lui, car il saura vous entendre, vous, Marie. Dites-lui, car il saura vous comprendre, vous, Marie. Merci. Eh bien, vous avez constaté que depuis le début, toutes les chansons que nous avons interprétées essayaient de définir ce qu'est un chrétien. De toute façon, la définition, elle est simple. Dans le mot chrétien, il y a le mot Christ. Un chrétien, c'est donc quelqu'un qui adhère à Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un pour qui la parole de Jésus-Christ est une parole qui fait vivre. Donc nous avons la réponse. Mais la deuxième question, qui découle de cette première question, et qui est beaucoup plus difficile, c'est qu'est-ce que c'est que la foi chrétienne ? Ah ! Imaginez qu'en sortant de cette église tout à l'heure, on vous accoste et on vous demande à propos, qu'est-ce que c'est que la foi ? Lorsqu'on me pose cette question, je réponds de la façon suivante. Proposer la foi chrétienne aujourd'hui, en 2017, ça n'est pas proposer un système idéologique. Pourquoi je dis ça ? Mais parce que ça, les sectes savent le faire. Et elles le font avec brio. Or, la religion chrétienne n'est pas une secte. Ce qui me permet d'affirmer que la foi, Pascal, la foi en Christ, n'est pas une doctrine. La foi n'est pas une philosophie. La foi n'est pas une morale. La foi n'est pas un savoir. Toute la définition de la foi chrétienne, de la foi pascale, que nous propose la chanson qui va suivre, tient en un seul mot. Le mot rencontre. La foi, c'est une rencontre avec Jésus. La foi, c'est une rencontre avec Jésus-Christ. Pensons à la rencontre de la Samaritaine, ou de Zachée, ou de l'enfant prodigue, ou des disciples d'Emmaüs. La foi, c'est une rencontre tellement extraordinaire que le cœur en est tout brûlant. La foi, elle naît, elle a été du verbe naître, elle naît d'un contact, d'une rencontre entre une parole qui se propose à nous et la liberté individuelle qui décide de dire oui à cette parole. Vous voyez qu'on est loin de la gouroutisation. Le gourou, c'est celui qui s'approprie les consciences. Le prosélytisme consiste à faire usage de la force, de la manipulation, de la désinformation.
Mais Jésus ne s'est jamais imposé. Je vous donne un exemple. Chapitre 24 de Saint Luc. Jésus qui laisse là les deux disciples avec leur cœur brûlant. Et pourtant, c'était bien le moment de mettre le grappin dessus puisqu'ils avaient le cœur brûlant. Eh bien non. Jésus s'en va. Jésus s'en va, tout seul, dans la nuit. Ce sont les disciples qui lui courent après pour lui dire, mais reste avec nous. Tu vois bien qu'il fait nuit, il se fait tard. Et puis regarde, il y a justement là une auberge. Allez, on t'invite, on va aller prendre le repas ensemble. Et voilà que ces deux-là cessent de parler avec leur tête, cessent de parler avec des mots, pour parler avec du pain, pour parler avec le partage, pour parler avec l'accueil. Et c'est justement là que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils reconnaissent Christ ressuscité. Le temps est venu. Pour les femmes et les hommes d'aujourd'hui, non pas de savoir davantage. Le temps est venu, non pas d'avoir des informations supplémentaires. Le temps est venu de fraterniser. Le temps est venu de communiquer entre nous. Le temps est venu de communier ensemble. Je vous écoute. Choisir de tout donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Ce que tu m'apportes, rester et devenir veilleur. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée. Ah.
habiter. Choisir la confiance, aimer et se savoir aimer. Chercher à les le oh, puisque tu chantes, chantez bien, c'est très bien. C'est beau. Es-tu là, comme un ami qui croit en moi? Dieu, Dieu ma joie. Dieu ma joie.
garde-moi. Mon Dieu, je m'en remets à toi. Dieu, Dieu mon choix, puisque j'écoute, parle-moi. Donne-moi force de porter mes croix. Oh, garde-moi. Alors je m'en remets à toi. Près de moi, tu vois, ne m'abandonne pas. Parle-moi, parce que je n'entends plus ta voix. Oh, Dieu, Dieu, je crois. Hallelujah!